Eh bien c'est tout le monde, c'est Xbox Sky, et aujourd'hui on se retrouve pour notre aventure sur Dying Light 2. Y'a quoi ici? Ça se casse pas ça? Non? Parce que je peux faire des super bons de fou furieux, mais... Easy! Bon, au moins j'ai pas eu à grimper tout en haut de l'antenne. Y a quelque chose au moins ici? On est d'accord qu'il peut pas monter ça, si? Non, il peut pas. Ah si, il peut. Allez, Ian! C'est bizarre la musique, vous trouvez pas? Ah non! Pourquoi ça m'a marqué que... On n'est plus de ce monde. Non, merci, Captain Obvious, j'avais pas remarqué. Ouais, moi je pensais que je pouvais monter jusqu'en haut. Et je lui m'a dit, ah non, 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 qu'est-ce que tu me fais là? Et quand j'ai voulu redescendre, je suis mort. Hey Dan, cours, 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 cours! Y'a pas une corde ici? Si, y'a une corde, magnifique! Hop! Rencontrer les individus dans le tunnel de métro, ok, on va faire ça. Oh, ça va faire mal! Cette musique me perturbe! Dieu est mort! Merci Captain Obvious. Prends ça, prends ça. Mettre nos mains dans des abeilles parce qu'on est hardcore. Ouah, des amortisseurs de chute. On est en train de faire le tutoriel avant le tutoriel. Yeah! Plouf! Ouais, y'a quelque chose là. Pourquoi y'a une musique épique, stressante là? Ah, j'ai cru qu'on verrait pas la fin. Hein. Ah, l'effet il est bizarre là. Merci le FOV augmenté. Oh, c'est bien dans le jeu la musique, je me disais c'est bizarre. Allô? C'est Aiden, tu m'entends maintenant? 5 sur 5, ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors tu as presque atteint les tunnels. Il y a une entrée, la seule que le GRE a laissée quand il a fermé la ville. Je viens par l'autre côté, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, saleté de zombie! Ressens la puissance de mon kick! Ah, ce qu'ils disent qu'il a, il a plus d'endurance que la normale, mais je trouve pas qu'il en ait, réellement plus en fait. Un petit peu. Touché. Sert à quoi tuer des zombies s'ils donnent rien? Putain, de la blinde en fait. Ah oui, c'était la touche 3. Je veux un truc tranchant. Ah. Ah.
Bah alors, on a plus de bras. Bon, cette arme est extrêmement lente. Elle est très facile à casser, on dirait. Salut. Salut. Kiff. On a vu. Je crois que j'aurais été le taper. Hein. Ah, mais quand tu fais le saut, on dirait qu'il flotte en fait. Quand tu maintiens la touche espace pour faire l'espèce de saut qu'on a débloqué, on a l'impression que le personnage il flotte. Notre arme est presque détruite, cherchez-en une autre. Ah, j'ai plus d'endurance. Je suppose que les zombies ont pas d'armes sur eux, hein. Pas trop bien sinon. Le jeu, tu es radin, je tenais à te signaler. Surtout comment j'entre dans ce magnifique camion. Parce que ça me dit qu'il y a un truc. What? Attendez, j'ai pas rêvé. Il y a quelque chose à l'intérieur, comment je fais pour le prendre? Comment on fait pour entrer dans quelque chose qui n'a pas d'entrée? Non, le pire c'est qu'il faut impartiment que je tape au corps à corps parce que y a une compétence. C'est quoi ça? Putain, mais regardez-moi ça! Comment on entre là-dedans? C'est pas cool hein ça! Ah mais là, je peux pas passer par en dessous. Putain, regardez-moi tous ces objets qui sont à l'intérieur et je peux pas les prendre! Pourquoi? Regardez, ça c'est pas cassable! Ça c'est pas cassable non plus! Alors où? Ça sert à quoi de me faire croire qu'il y a des objets si au final je peux pas entrer dans le truc? Bonjour messieurs! T'as de la chance, j'ai plus d'endurance. Quoi c'est que j'ai eu? Intouchable. Attendez, à l'époque il y avait moyen de les réparer. Il y a pas moyen ici? Apparemment non. C'est assez relou. Un florin! Wahoo! C'est le début de la richesse, les loulous! I need une arme! Oh, face à sans armes alors, hein. Celle-là, mais elle est presque pétée, là. Si je peux pas les réparer, je fais comment, hein? Ah.
physique. Ah, je vous jure, ça me perturbe l'effet là. On dirait que je flotte à chaque fois que je saute. Le jeu t'es radin, hein. Je vais te signaler, hein. J'entre dans les tunnels. Hé hey, tu m'entends? Je te rejoins bientôt. J'arrive. Bien. Ce fumier m'a mordu. Un rapace. Il y a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts. On prend vite à la lumière. Ah, plus tard. Faut qu'on file. Résiste. Ça va passer. Reste fort. Te voilà. Pour te chercher. Que dis-tu de celui-là? Il a l'air mort. Il l'a pas sur lui. Allons-y! Je n'ai pas la clé, je le jure. Quoi, notre fondateur est mort. Tu étais censé être mort. Où as-tu caché notre clé, gamin? Je sais pas de quoi tu parles. Laisse-le partir. Tu vas nous obliger à te laisser partir, Ratai! J'aimerais bien te voir à l'œuvre. Allez-y! C'est de la triche, il a une arme de plus que moi!
Ah, faut que je choisisse une parade parfaite, d'accord. T'en as plus pour très Bouf! Ton arme, elle est où? Aïe! T'en as plus pour très longtemps. Ah, bien joué, tu crois pas? Il va pas aider la suite. Attrape! Allez, venez vous battre là! Easy! Appuyez sur U. Ouais, vous avez votre premier point combat. Coup de pied de voltige. Alors, courez vers un ennemi désorienté. Appuyez sur... Ok. Ça peut être marrant. Par contre, j'aimerais bien avoir des armes, là, parce que... Voir leurs armes disparaître dans les néandres de je sais pas quoi, c'est un petit peu pète-couille. Tu survivras, bro. C'était qui? On n'a pas le temps. Dans ma poche, je t'ai laissé quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Une clé d'accès au GRE. Les pacificateurs, ils l'ont trouvée. On ne peut pas la perdre. T'allais me dire ce qui est arrivé à ma sœur. Où est Mia? Tu vas aller au fichaille. Là, tu demandes à parler à une fille du nom de Lawan. Donne-lui ça. Avec ça et son aide, tu sauras. Tu sauras tout. Compris? Protège-la. Si Waltz la récupère, la ville tout entière, tout le monde mourra. Waltz? Est-ce que Waltz est là? Ouais. Ils arrivent. Tu entends? Des renégats! Cours! On ira ensemble. Prends ça! Allons-y. Oh, bordel! Voilà! Notre premier est carré! Mais il n'est pas seul! Ouais, on peut réparer ça. Allez, tue-le! Alors, servez-vous de voltige? Ouais, écoute, on va voir, hein. Ouais, très utile quand ils sont tout seuls. T'aurais jamais dû me provoquer. T'es pas une lumière. Et encore, je te... Putain, c'est encore un tutoriel. Putain, mais... Allez, tape. Et s'ils sont pas assez proches, je fais comment, moi? Non, c'est pas ce dont je suis capable. Je voudrais juste que le tutoriel passe plus vite, là. J'aime bien le coup, hein. C'est pas le problème, hein. Voilà. On a assez rigolé. Allez, meurs! Ah. Attends, je fouille ton pote. Oh, il avait des cigarettes, magnifique! Tout ce qu'il faut pour survivre à l'apocalypse. Qui va me taper en premier? Continue à danser! Tu n'échapperas pas! En plus, on peut les enchaîner à ce que je vois. Prépare-toi. Ouais, je me prépare, vas-y. Oh, on peut pas le faire sur lui-même, c'est dommage. Par
contre, c'est casse-couille qui se reprotège automatiquement derrière, quoi. Du coup, les combats sont un petit peu lents. Hein. Échappez-vous avec le contact. Ok, allez, viens ma gueule. Barrons-nous vite d'ici. Trahir, tu es là. Est-ce que tu as ma clé? C'est Waltz. Il faut qu'on se barre. Mais je le cherche. Une espèce d'idiot, il te tuera s'il te trouve. Dylan! Merde. Va au conduit d'évacuation. Vite. Par ici. Vas-y en premier. Qu'est-ce que tu fais? Waltz peut pas avoir la clé du GRE, souviens-toi. Quoi? Laisse-moi sortir! Vijay, Lawan. Allez! Voilà le traître! Salut, Dylan. Hé, les gars! Laisse-le partir. Que tu m'as trahi. La clé ne t'appartient pas. Tu peux pas. Où est-ce que c'est? Si. C'est terminé. Désolé. T'es dans le brouillard? Pas vraiment. T'es juste en train de mourir. Avant la chute, mon grand-père élevait des chevaux. De belles races, rares. Je les aimais tendrement. Un jour, son cheval préféré est tombé. Il s'est cassé la jambe. Je pensais que grand-père l'aiderait. Mais il a juste sorti son pistolet. Et il l'a mis dans ma main. Il m'a dit... Fais-le pour lui. Puis il a pressé mon doigt sur la détente. J'ai hurlé. Je voulais que mon grand-père meure. Mais des années plus tard, j'ai réalisé. Ce qui doit être fait... doit être fait. Tu ne me laisses pas le choix, mon ami. Il y a quelqu'un. Dans le conduit! Chope-le! Attendez, fallait que je fasse une réaction au virus en ce moment-là, quoi. Merde! Ça fait mal! Ah là là! Y'a rien ici? Alors quand est-ce qu'on arrive dans la ville? Parce que c'est quoi ce qui est le plus important? Voir comment les factions... apparemment on va avoir des factions et tout, et nos choix auront des importances, donc... vous imaginez bien que je vais faire foutre des champs. Qu'est-ce qui se passe?
Sans moi, je te l'avais pas dit, putain. Quitte-toi, putain. Il faut te mettre en pièce. Chut, pas maintenant. Diana. Quitte, bordel. Vas-y, dépêche-toi. Arrête-la ici. Putain de connard. Il bouge. Akon, tue-le, Akon. Tue-le avant que je le fasse pour toi. Hé, Molo, du calme. Respire. On dirait qu'il s'est pas transformé. On dirait ? Akon, je veux pas ça ici. Tu nous es revenu. Cligne des yeux si tu comprends. Putain, ma tête ! Ah ! T'étais sur le point de te transformer, mais les UV et les inhibiteurs t'ont fait revenir. La batte a aidé aussi, bien sûr. T'es vivant. Que les choses restent ainsi. Le gars a failli tous nous tuer et tu lui fais la conversation ? Hé, les filles, du calme. Elles ont peur. T'as failli détruire leur atelier. Faut qu'on se bouge. Tu peux marcher ? Mais je comprends pas. Où est-ce qu'on va ? Dans un endroit sûr. Il faut que j'aille au fisheye. Le fisheye ? Sans biomarqueur, tu pourrais pas t'en approcher. C'est quoi ce bordel ? Un biomarqueur ? Ça surveille l'évolution de la maladie dans le noir. C'est ton ticket pour la ville. Sans ça, sortir de la lumière est une sorte de loterie. Tu sais pas quand tu vas te transformer. T'as besoin d'un biomarqueur. Et je sais où en trouver un. Allez. Du calme, tout est sous contrôle. Ça va, tout ira bien. T'es faible, prends une minute. Bois ça. Sérieusement, c'est quoi la suite ? Lui faire couler un bain ? Ça me semble plutôt confortable, mesdames. Peut-être la prochaine fois ? Va te faire voir, Akon. Elle m'adore. Pourquoi est-ce que tu m'aides ? Apprenons à nous connaître et découvrons-le. Vas-y en premier. T'as trouvé ça où ? Ça te concerne pas. T'es prudent. C'est bien, tu vivras plus longtemps. T'es un vrai pèlerin ? Ou t'as volé ce badge ? J'étais un pèlerin. Une heure avant le crépuscule. Je suis sérieuse, Akon. Il reste pas ici cette nuit. Tiens. Ton arme et ta radio. Même un pèlerin pourrait pas s'en sortir sans. Allez, on y va.
Pas mal. Où est le fichier? La cantine est là, au centre, après les décharges chimiques. Ah. Il faut que j'aille là-bas. Dommage. Le seul moyen d'y aller, c'est par le tunnel. Ils protègent le tunnel comme si c'était l'entrée du Valhalla, putain. C'est quasi impossible de passer. C'est ma spécialité. Où est le tunnel? Pas si vite, cow-boy. T'iras pas loin sans biomarqueur. T'es une menace pour tout le monde. Et t'as déjà goûté à la façon dont les gens réagissent à la menace à Ville d'Or. Est-ce que tu peux m'aider? T'as l'air de bien connaître la ville. Je vivais déjà dans cette ville bien avant que le monde ne parte en vrille. Je pourrais t'aider, mais... il te faut un biomarqueur. T'iras pas loin sans ça. Tu viens d'où? D'assez loin, j'imagine. Environ 2000 kilomètres. Oh merde! Comment t'as fait pour pas être infecté? Facile. J'ai évité les morsures. Ici, c'est différent. On est tous infectés. T'as entendu parler de Haran? Ils ont isolé Ville d'Or aussi. Ils ont construit des murs. Ils nous ont enfermés. Et en fait, c'est ce qui nous a sauvés. Et comment on se procure un biomarqueur? On peut pas se les procurer. À moins de connaître la bonne personne. Et moi, je la connais. Allons-y. Au fait, moi, c'est Akon. Et moi, Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue au paradis. Par ici. Ça y est, l'open world. Tu te débrouilles bien? J'étais militaire. Unité spéciale? Pendant 7 ans. J'ai même aimé ça. Sauf quand c'était pas le cas. Pour insubordination, j'ai été mis sur liste noire et mon compte bancaire a été vidé. J'ai fini par faire le taxi. Eh ben, les puissances sont tombées bien bas. Va te faire foutre. Au moins, j'ai appris à me repérer dans la ville. Ah, allez! T'es trop faible. Sans inhibiteur, tu tiendras jamais. Est-ce que j'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donné? C'est juste la première fois. Mais ensuite, ça s'améliore. Si tu survis, bien sûr. Attrape ça. T'es en train de me dire que j'aurais pu mourir? Si je te l'avais pas donné, tu serais mort de toute façon. Dis-moi, pourquoi tu m'aides? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin. Maintenant, je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un œil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, il y a des trucs dedans. Jette un œil, je t'attends. Les gens planquent des tas de trucs dans des endroits comme ça. Au cas où quelqu'un ne pourrait pas rejoindre un abri avant la nuit. En général, quand on chope des plumes, ça veut dire qu'on va avoir des flèches à crafter. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas alors? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de son blé. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. Thank you.
des zombies en bas ou pas? Ah, j'ai endurance d'une huître maintenant. Allez, allez. Alors, il y a une armée ici? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. Sur le chemin, j'ai rencontré beaucoup de durs à cuire qui parlaient du nouvel ordre. Mais pour moi, c'est toujours la même rengaine. Ouais, c'est comme ça ici aussi. Et les pacificateurs sont de pire en pire. Dis-moi plus sur eux. Ils se prennent pour de vertueux protecteurs. Ah, quand faut tuer des infectés, ils assurent. On peut pas leur enlever ça. Des tueurs plutôt efficaces. Ouais, mais une telle droiture, ça se paye. Souviens-toi de ça. Soit tu suis leurs règles, soit t'es dans la merde. Leur protection du bazar ressemble plus à de l'occupation. J'agirai avec prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'exploser. Hé, hey, on y va? Tu voulais pas me montrer quelque chose? Carrément. Suis-moi. Mes amis, les zombies! Ah! Putain, mon endurance est en train de se vider à vitesse grand V, quoi! Regardez-moi ça! Je peux pas faire 3 mètres sans. Devenir asthmatique. Comme dans un jeu Ubisoft. On y est presque. J'espère qu'il n'y a pas de surprise. Ah, la nuit va commencer à tomber. Ouais. Ils vont bientôt se réveiller. Vite, oui. Ouvre le coffre. Et après, on te récupérera un biomarqueur. Merde. Des voleurs. Attends. Non, laisse. Si t'abîmes la serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur? Où est-ce que t'as eu ça? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens. Et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Je peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. Un gars du nom de Walls l'a tué. Avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour que Walls la récupère pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au fichail. Ah, on verra bien, hein. Putain, on a mis trop de temps. Plan B, on dégage. On doit trouver une lampe UV. Le bazar. On peut y arriver. Suis-moi, vite! Ils approchent! Allez! Reste dans la lumière.
Hakon. Allez, ouvre maintenant. Hakon, un hurleur arrive. Des biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul. Des biomarqueurs. T'es sourd ou quoi derrière nous? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-moi au moins passer la porte. Il faut que je voie son biomarqueur. Et un peu de matos électronique. Fumier! Ouvre! Ah, ah. Espèce. Ouais, mais je peux pas courir plus vite, tu vois. On sera en sécurité là-bas. Allez, donne plus vite. Cilia, c'est moi. Pas d'amis ici, hein. Cilia, occupe-les. Cilia, putain, Cilia, allez. Cilia, j'espère que tu crèves. Comment ça, arrête-les? Allez! Ouvrez la porte, putain! Comment ça, on a réussi? M'étonnerait qu'on ait fini. Les ennuis viennent jamais seuls. Hakon, laisse-nous entrer! Ouais, j'essaie! Cilliane! Je vais rester là! C'est bon, il y en a plus? Pense. Aide-moi. On est pris pour de la merde. Bon sang, Cilliane. T'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Presque mort. Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis, tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard. Regardez ça. Wesh, cutin. C'est rare. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui, ça? Je suis un pèlerin. T'es pas là depuis longtemps, hein? Comment t'es arrivé en ville? Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Non, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, Hakon, hein? Je lui ai donné un inhibiteur. Il a survécu. Mais t'es dingue! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Tiens, fils de pute! L'hôpital, alors? J'espérais éviter ça.
Jour à la recherche de la facilité, hein, Akon? J'ai juste besoin d'une lampe UV. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Akon, pourquoi est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. On aidait les gens à l'époque, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens, Brutti. Bon, allez, Lou, on va s'arrêter ici pour ce nouvel épisode. Ah, en tout cas, j'ai hâte de voir quand on sera un peu plus profondément dans la ville, du coup. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... attitude, comme de chou. Vos cachets sont vos conseils sur ce dicton. Je vous laisse. Je fais plein de poutres partout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, bouti bouti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace!